Vous allez venir avec nous. On sait jamais avec 049. Parce qu'il a dit que si la chèvre était morte, il nous touchait tous. Mais moi, je vais vous montrer qu'il va rien faire. Vous êtes qui, vous? Comment ça, je suis qui? Ça. Comment ça, c'est qui 049? Snow. Ouais. Ça a l'air chez Snow. Oui. Attendez, j'ai été promu quand, Norixon? Hein? J'ai été promu quel jour? Mais... Ça fait quoi? Attendez, ça peut faire quoi? Ouais, je sais plus. Restez là. Vous allez prendre ses armes et vous allez l'emmener au centre médical. Vous demandez au médecin de lui faire un test. Il est pas normal. D'accord? Menottez s'il le faut. Hein. S'il est dangereux, ouais, de vous menotter. Mais vous l'emmenez au centre médical. Je veux qu'il fasse un test. Hein? Non. Non, pas de balle dans le pied, non. Allez, on va ouvrir. Allez. Non. Non, attendez, ouvrez pas. C'est bon? Vas-y, faites-les sortir, Bon, vous allez devoir. Attendez, ouvrez pas. Rickson, votre agent a besoin de vous parler là-dehors. Ça va peut-être sur la con, ça. Allez, bonne soirée. C'est bon, on est prêt. Oui. Mais. Non. C'est pas grave. Non, tu me laisses tranquille. Non, allez, Norixon. Allez, Norixon. Norixon, t'arrêtes de faire l'enfant là. C'est pas quand même. Allez. Tu lui arrives. Prenez-le par le bras et arrête de faire l'enfant maintenant, s'il te plaît. C'est soit tu te rends tout de suite et tu vas au CM et tu le fais examiner, soit on fait ça de manière un petit peu plus brutale. Donc maintenant tu ramènes ton cul, allez. Bon, Kirk. Non, tu me laisses, je. Ouais. Bon. Oui, je l'amène au CM, j'ai compris, y'a pas de soucis. J'ai en ma fait topo. C'est. Oui. Il est pas normal. Allez, c'est quoi ça? Non, regardez-moi. Regardez que moi. C'est qui, vous? Là, regardez-moi. C'est Kirk. C'est bon? Allô? Je sais pas. Ou. Moi, c'est Kirk. Kirk. James. Oui, je pense. Collègue depuis longtemps. Oui, Je vais t'aider, d'accord? Bien, viens avec moi.
Là, avec ce que vous avez, je pense que ça va être bon de se tuer. Pendant 2 semaines, vous ne pourrez plus rien faire. Enfin, vous ne pourrez plus courir, en tout cas. Mais venez là, c'est moi qui ai besoin d'aide. Oh, regardez mon crâne, il est plus luisant, il saigne. Je me suis pris un mug en pleine tête. Un mug, il est éclaté sur sa tête, donc c'est un peu ouvert de partout. Il va falloir peut-être se tuer et tout ça. Ouais. Ah non, personne m'a rien donné, on m'a juste... Là, il vient de se démonter. Laisse-moi. Monsieur Norrickson, s'il vous plaît. J'en ai fait. S'il vous plaît. Laissez-moi. On doit vous taiser, non, s'il vous plaît, ça va être... Non, oh. Oh. Ne vous approchez pas de moi. C'est vous. Calme-toi, Norrickson. Calme-toi. Laissez-moi. Norrickson. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mort. Norrickson, écoute, on ne veut pas tomber. Norrickson, on ne te veut pas de mal. Écoute-moi. Concentre-toi sur ma voix. On ne te veut pas de mal. Non. Norrickson, calme-toi. Tranquille. Est-ce que tu es nerveux par rapport à l'arme de l'agent? Si tu veux qu'il le range, il peut le ranger. Y a pas de souci. J'en ai rien à foutre. Laisse-moi juste partir. Non mais ça peut être il peut être nerveux à cause de l'arme. On peut t'aider. J'arrive, vous êtes où ces deux? Je vais laisser charger toute la nuit. On arrive. Oh là là. J'ai le marave. Allez, Norrickson. Qu'est-ce qui vous arrive? Non mais attends. Norrickson, je baisse mon arme. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, Norrickson, vous allez pas plus loin, Norrickson. Non. Oh, voilà, menottez-le. Non! Merci. Allez, emmenez-le CM. Et menottez-le à un lit. Et vous lui prenez tout son équipement là, je veux plus rien. Son gilet, là, normalement tout son équipement, la flash, son gilet et tout est censé être retiré normalement. Non mais tu fais ça dès que vous êtes arrivé, hein. Vous le menottez au lit, vous prenez je sais pas combien de menottes ou de sangles, vous le mettez même dans une camisole s'il faut. Excellent, si t'arrives. Oh merci. Ah, arrêtez de pointer, il est menotté, messieurs. Bon, allez, retirez-lui tout là. Bon, chopez-le là, c'est impossible. Chopez-le, retirez-lui tout. Mais vous êtes. Allez, on chope. Mais Cornille, il est là.
fallait être tempéreux, vous lui retirez tout. Ah, aide-moi. Ah, merci, j'ai une 4 jours. C'est bon, je le tiens. Viens, suivez-moi. Allez, tu viens. Il était où? En salle de réveil ou soins intensifs? Regardez, directeur adjoint, mon crâne. Bah, regardez mon crâne! Ils ont dit quoi, les ceux qui sont occupés de Rexon? Après avoir mangé. Ok, merci. Ouais. Mais... Le docteur... Le docteur... Blasco? Bah non, c'est... Tasse en pleine tête! La tasse, voilà, c'est Gromit! Je vais voir si c'est personnellement. Viens par le nex. Bon rétablissement, docteur. Non, laisse-moi. Ah, allez. Ah, c'est déjà occupé. Laisse-moi. Oh. Il se débat un peu, hein, s'il vous plaît. D'accord, pardon. Vous avez besoin de... Bah, au final, on le met en salle de réveil. Vous avez besoin de moi? Non, du tout, je... Oui, oui, le monsieur prend le métro, là. Pour la... Il doit passer sa nuit au CM. Ah. Non. Ouais. Attendez, je vais aller vérifier, j'arrive. Ah putain, aide-moi. Putain, je te dis, laisse-moi. Ça va. Non, pas de spray au poivre. Il est pas bien. Alors, où est-ce qu'on pourrait le mettre exactement? Ah putain! Il doit faire un test psychologique. Et il doit passer sa nuit ici. Ah, il doit faire un test psychologique? La salle est là-bas, mais je n'ai pas l'accréditation pour, malheureusement. Non, mais pour qu'il reste dormir ici en fait, et pour qu'un psychologue ou autre s'en occupe. Non mais. Bah écoutez, si c'est juste pour qu'il reste dormir, vous pouvez le laisser dans la salle principale. La salle principale au final, il y a déjà quelqu'un s'occuper dans la salle principale, il a dit là. Salle principale, l'aide soignant. Salle principale, viens. C'est pas vrai. Il y avait déjà quelqu'un là. Allez. Si c'est pas grave pour l'instant et qu'il doit juste passer la nuit ici, on peut laisser les salles d'opération et de soins intensifs pour mes collègues. Ah putain, aide-moi. Ah, c'est Tom. Il bouge trop le poignet là, aide-moi. Toi, putain! Bon, messieurs, là, vous êtes deux quand même. Voilà. Allez, menottez-les au lit.